Bonjour mes télésièges, j'espère que vous allez bien, moi très bien. Moi, à part avoir très chaud, il fait très chaud pour le moment. On a des pics de jusque 35. Et il fait malade, on dort très mal. Là, j'ai ouvert les persiennes un petit peu pour avoir de la lumière pour vous parler. Heureusement, tout est fermé pour garder la chaleur dehors. Voilà, mais c'est pas pour ça que je suis là. On est là pour une nouvelle vidéo qui est les achats du mois de juillet. Par contre, en août, jusque maintenant, j'ai rien acheté. Août, c'est le mois du j'achète rien. Parce que vous allez comprendre plus tard pourquoi aussi. Voilà, du coup, on va commencer tout de suite avec je sais plus combien de livres j'ai dit. Je les ai comptés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 livres à vous présenter tout de suite. Donc vous voyez déjà celui-là, mais c'est pas grave, vous le verrez après. Du coup, déjà, je me suis pris et il fallait que je le prenne. C'est Stitch et les samouraïs. Par contre, je sais pas, Nobinobi, je crois que c'est ça la maison d'édition. Il est trop beau, j'aime beaucoup. Ici, on va suivre Stitch dans un combat. J'en sais pas plus. Du coup, voilà, j'ai envie de me lancer. Bon, je ne l'ai pas encore lu, mais il va pas tarder. Parce que je suis un peu en. Comment vous dire? Je ne lis pas beaucoup pour le moment et je ne lis pas du tout presque. À part 2 jours que j'écoute un peu. Je fais un livre en écoute. Voilà. Après, je me suis pris celui-ci. Mais je ne sais pas si je vais le lire. Parce que je sais pas. Il me tentait. Du coup, je ne vous ai même pas dit. C'est Blackwater. La Krull. Krull. J'aime beaucoup la couverture. Voilà. Mais tout est magnifique. Il est petit. Je sais pas si vous allez vous rendre compte. Il est plus petit qu'un livre de poche. Un manga déjà, regardez, hop, voilà. Du coup, c'est un petit livre. Je ne sais pas si je vais lire. Ça va sortir de ma zone de confort. C'est dans les années, je ne sais plus quoi. Voilà. Du coup, je ne sais pas. Est-ce que je le tente quand même? Je l'avais pris pour essayer de me le faire, mais je ne suis pas sûre. Mais enfin, on verra bien s'il sort un jour de ma palle ou pas. Heureusement, je le mettrai en vente. Après, je me suis fait des petites pépites à prix découverte. Du coup, je me suis pris celui-ci à 5,99. Le titre, c'est Alex peut-être, de Jeanne Bennett, chez Hugo Nouwet. C'est un ancien livre, je ne sais plus laquelle est de quand est la sortie, mais comme 2019. Voilà, je me suis dit à ce prix-là, pourquoi pas, parce que j'aime beaucoup plus les poches qu'en grand format, ça prend tellement de place les grands formats. Qu'en poche, je mets deux poches, voilà, qu'un grand format. Du coup, je me dis, pourquoi pas le découvrir. En plus, c'était un moment des vacances, vous voyez les pages. Et ici, je ne sais plus, c'est l'histoire de cinéma, j'ai bien vu, d'Alex le gamer, la passion, je ne sais pas trop, et j'ai pas trop. Je vais pas trop vous dire des quatrièmes de couverture parce que quand j'achète un livre, je lis la quatrième de couverture. Mais après, je veux plus lire la quatrième de couverture parce que j'aime bien me plonger et ne plus savoir ce qui se passe dedans. Et du coup, il y a. Voilà. C'est pour ça que je ne vais pas vous parler beaucoup des quatrièmes de couverture. Après découverte, il y a celui-ci. Je ne sais plus si c'est un tome 1 ou tome 2. J'avais regardé. Je vous ai même pas dit le titre. Mulder. Frey, je sais pas comment ça se dit. C'est chez Hugo Roman dans la collection Nous Romans. C'est aussi à 5,99 € et une vie de rêve où le cauchemar se réveille. Du coup, ça me tentait bien. En plus, j'aime bien les livres d'Hugo. C'est écrit toujours assez gros, bien espacé, ça se lit assez vite. Bon, je lis pas vite, mais voilà. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas les découvrir. Comme celui-ci qui est à prix découverte aussi. Celui-là, je sais que ça part de musique. Accidentelle de chez Hugo Nouwet. De Sarina Bouay. Bouay, je sais pas comment ça se prononce. Voilà, c'est aussi à prix découverte. Et ici, je sais qu'à 17 ans, Rachel rencontre enfin son père. Une rockstar au milieu de.
millions de fans. Voilà, je sais que voilà, ça va parler de papa star et d'une jeune fille qui cherche son papa. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas? J'aime bien la musique. J'aime beaucoup la couverture, le noir et l'orange, comme ça ressort bien, j'adore. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas? Après, j'avais essayé de faire un livre en Audible, non, oh, la plateforme de musique, je ne sais plus quoi. Et j'avais vu, mais il n'y avait que les 4 premiers chapitres. Et du coup, je me suis pris le livre pour moi le lire. C'est un gros bébé. C'est Toy Boss de Rin Grana. Je sais pas comment ça dit. J'ai Addictif. Mais chez Addictif, ils sont toujours gros. Mais ils font pas gros. Enfin, il fait quand même 500 pages. Et j'avais beaucoup aimé. C'est l'histoire d'une... je sais plus son nom. D'Emily, voilà. D'Emily qui a... trois ou quatre copains, je ne saurais plus vous dire, mais c'est 3 ou 4 copains. On les suit en étant jeune et il va se passer un truc. Enfin, elle va tomber amoureuse de un des, je crois que c'est des 3 garçons. Et un soir, ils vont donner un petit rendez-vous à la Red Bus pour être tous les deux, parce qu'ils veulent pas dire aux deux autres qui sont en couple, et pour passer un petit moment ensemble, faire le trajet ensemble. Et là, elle va avoir un problème. Elle va se faire violer, si j'ai bien compris l'histoire. Et elle va disparaître pendant je ne sais plus combien d'années. Et elle va revenir pour essayer de comprendre son passé. Pourquoi il n'est pas venu à l'arrêt du bus en adulte. Elle va essayer de comprendre. Elle va essayer de demander. C'est à sa sœur, je pense. Ou sa copine. Enfin, c'est sa sœur ou sa copine qui va rechercher ses copains. Et elle va aller... essayer de comprendre tout ça et démêler cette histoire. Voilà, j'aime beaucoup. Ah, j'ai commencé, j'ai pas fini. Hein. J'ai fait les chapitres, j'ai pas continué. Après, je me suis pris, et celui-là, c'était obligé. Je suis occupée à lire le premier. Du coup, c'est Murmure de l'océan, de Au fil du chemin. Ça va parler de la sirène. Voilà. C'est... Que ton cœur soit aimé pour ce qu'il est, ou ton âme disparaîtra dans le murmure à jamais. C'est chez Plume du Web. J'aime beaucoup ces formats, et en plus ils sont trop jolis. J'occupais de lire, je sais plus lequel, je l'ai pas avec moi, il est par là. C'est sur La Belle et la Bête. Du coup voilà, c'est un peu une réécriture d'histoire, mais pas trop, parce que je viens de commencer l'autre et ça n'a rien à voir avec l'histoire qu'on connaît. Ça, c'est Au fil du chemin, a refait à sa façon, on va dire, l'histoire. Voilà, mais j'aime, je ne l'ai pas vu, mais l'autre j'aime beaucoup pour le moment. Celui-là aussi est à prix découvert, je ne sais pas pourquoi ils n'étaient pas ensemble. Celui-là, ça fait longtemps que je le voulais et j'ai vu qu'il était à 6,99€, c'est au prix de poche. Non, le poche est 8. Du coup, je me dis pourquoi pas passer le pas et prendre en grand format à ce prix-là. Ça vaut la peine. L'année après toi de Nina Dupas chez Hugo Way. Nouet. Voilà. Et ça non plus, je ne sais pas. Je l'avais tellement vu passer. J'en ai entendu du bien et du mal, du coup je me suis dit pourquoi pas faire son avis. Voilà, on essayera ça et je vous tiendrai au courant quand je le lirai. On va aller chez la grand-mère de Joe. Voilà. Après, il nous reste 1, 2, 3, 4, 5 livres à vous présenter, ça diminue. Je me suis pris un gros pavé aussi, il me fait peur celui-là, à lire Burnia, je sais pas comment ça se dit, Danse. Chez Nisha, c'est CS Quill. Voilà, j'avais l'autre et j'ai vu qu'il y avait, c'était le tome 2. Du coup, je me le suis procuré, mais c'est un gros bébé. J'aime pas trop la couverture noire là, puis blanc. Vous avez juste le jour de bandeau qui est là, du nom, qui passe là. Mais je suis pas fan de la couverture. J'aime beaucoup celle-ci. Avec la, on voit pas trop, mais c'est une femme qui danse. Là, on voit sa tête. Hein. Voilà. Ça, je vous montre après. D'abord vous montrer ces 3 là, je vous laisse le beau. Celui que j'ai déjà lu et que je suis fière, c'est Qu'est-ce qui cloche avec la sautrère Kim, le tome 5 chez Kaboom.
me demandez pas le nom des ceux qui ont fait la BD. Bah, c'est BD, manga, je ne sais jamais comment on prononce. Comme toujours, on suit Kim et son boss. C'est dans cette histoire, j'adore toujours. Ouais, je ne vais pas vous en dire plus, j'aime beaucoup. Ça spoil. Un truc qui ne vous spoil pas. Non, ça spoil pas. Voilà. C'est des dessins et des petits mangas. Je vous en parle pas plus. Normalement, vous avez. Il y a un moment, j'en ai parlé, mais je n'ai pas encore sorti le vlog là. Je n'ai même pas conclu. Voilà, je vais regarder ça après pour le conclure et peut-être le monter si j'ai le courage. Du coup, voilà. Il est à ma possession élu et je suis très contente. Lui, il va déjà mettre ailleurs. Après, j'ai tenté. Ah, ça aussi. J'ai des gros pavés. Ça aussi, c'est un gros pavé. Je ne sais pas le prononcer, le titre il est là. Je crois que c'est une auto-édité. C'est Solano. Non, elle a aussi. Il est trop beau. Je sais que ça va parler de. Ok. Et voilà. J'en sais pas plus. C'est écrit assez. J'ai peur de plier le truc. Vous voyez, là, j'aime bien la couverture. Là, on voit les chaussures du hockey. Là, je sais pas c'est quoi. La bannière, je suppose. Il est très beau, ce livre. Voilà. Peut-on se reconstruire après avoir vécu l'enfer? Voilà, je ne sais pas ce qui va se passer, mais il me tentait bien. Je l'ai vu passer sur Facebook. Et j'avais lu ce que la personne avait marqué. Et ça m'attirait, du coup je me le suis pris. Il y a 3 tomes si j'ai bien, je dis pas de bêtises. Voilà, après je me suis pris nos en cœur chute libre chez Hugo Poche dans la collection Nous, roman de Valentine Serna. Voilà. Luno plus je sais pas, pourtant il va si vite. Il est un peu fluffy, mais voilà. Je ne sais pas comment ça va passer. Je voulais pas la quatrième de couverture. Il va se passer un truc. Nos cœurs. Je suppose que c'est un couple qui a un cœur qui va se briser. Je ne sais pas. Aucune idée. Et alors le plus beau de ma collection. Enfin un de mes. Non. Le tome 2 d'un livre. Mais qui est beau. Il est magnifique. Je suis trop contente. Je l'ai eu à l'avance en plus. Et j'ai pas pu vous le montrer parce que je suis partie à ce moment-là en vacances et c'est ma mamie qui l'a récupéré. Mais regardez cette beauté. Du coup, c'est un royaume de chair et de feu. Ça, de chair et de feu. Chez Des Saxus de Jennifer Allamantrout. Voilà, il est trop beau. C'est le tome 2 de un palais. Non, c'est pas un palais. Je sais plus le titre. Et c'est le Toc Toc. Regardez déjà, il est comme ça. Il est trop beau. Du feuille sur la couverture. Il est trop beau. Et derrière, il est tout blanc. Voilà. Du coup, celui-là non plus, je vous en parle pas. Parce que je suis sûre qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui l'ont déjà vu passer. J'ai déjà vu beaucoup qui l'ont à peine arrivé et qui l'ont déjà lu. Moi, je ne l'ai pas encore lu, je n'ai pas encore eu l'occasion. Comme je suis une panne un petit peu de lecture. Voilà, je sais plus mettre. Ça va aller. Voilà, et de l'autre côté, c'est le même. Je vous montre. Hop, on voit Jennifer Allamantrout. Et voilà. Et il est tout blanc derrière, je vous ai montré. C'est le tome 2 de Cendre et la Cendre. Il est marqué derrière, en plus je suis biaise. Il est marqué juste là. L'amour est-il plus fort que la vengeance? Voilà. Il est trop beau. Mais j'ai pas envie de lire la description parce que je sais pas si vous voyez, mais c'est écrit petit. Et ça fait ça quoi. Du coup j'ai peur de me faire spoiler, mais il y a beaucoup qui n'ont pas été déçus un peu de la fin parce que voilà, ils disent qu'ils auraient dû attendre le tome 3 pour lire la fin. Ouais, c'est pour ça que j'hésite de le lire tout de suite. C'est un gros bébé quand même. Je sais pas combien il fait de pages. Je sais pas le mot, il faisait combien. Ah ouais, il fait 761 pages. Voilà. Voilà pour toutes les lectures que je me suis pris le mois de juillet.
Au mois d'août, pour le moment, on est le 12, 12 juillet, 12 août. 12 août, et j'ai toujours pas acheté aucun livre. On croise les doigts jusque maintenant. Logiquement, enfin, on verra ce soir, cet après-midi. Parce que je vous tiendrai au courant. Il s'est passé des choses dans ma vie. C'est pour ça aussi que j'ai eu un peu un coup de mou. Un coup de mou pour moi. J'ai appris une. Enfin, j'ai appris. On va savoir tantôt, oui ou non. Et en même temps, j'ai appris la nouvelle, c'est dimanche ou lundi. Ça fait un moment, hein. Ça fait une semaine ou deux. Et le vendredi, en allant chez ma tantine, je suis tombée sur les escaliers. J'ai le cul qui me fait mal. Là, pour le moment, la douleur commence à passer, mais là, je peux pas vous dire, mais j'ai encore mal. L'endroit où je suis assise, j'ai mal. J'ai vraiment mal. Je peux pas vous montrer, mais c'est vraiment entre la fente des fesses. Je pense que le coccyx a été touché un petit peu. Mais là, ça va beaucoup mieux. J'arrive à m'asseoir, et du coup, c'est le principal. Je suis restée. Ouais, une bonne semaine. Ouais, c'est pas cette semaine-ci, c'est la semaine passée. Toute la semaine couchée et pas bien. Un peu le moral dans les chaussettes, on va dire. Aujourd'hui, ça va un petit peu mieux. Je me dis que j'ai pas le choix, il faut remonter la pente. Et voilà. Sur ça, vous aurez tout dans un vlog. Peut-être de blabla, je sais pas. Je sais pas encore comment on va en parler. Parce que, monsieur. Faut que je voie avec monsieur s'il est dans. Et la lumière bouge beaucoup. Est-ce que c'est mes stores qui font ça? J'en sais rien. Voilà, c'est peut-être un peu mieux, mais je suis dans le noir maintenant. Je vous tiendrai au courant, ne vous inquiétez pas. Et sur ce, moi je vous laisse et je vous fais des gros bisous. On se trouve pour une autre vidéo, un vlog ou quoi que ce soit, je ne sais pas encore. Je vous fais des gros bisous.